niveau technique, je crois qu'on est à peu près une dizaine de pilotes à se valoir. Je crois que c'est plutôt dans la tête que ça se passe, plutôt au niveau moral. Tiens, moralement, j'étais peut-être mieux préparé que les autres. Je crois que c'est là que j'ai fait la différence. Bonjour Adrien, tu es au Ventoux depuis ce matin, alors t'as revu tous tes copains? J'ai revu tous mes copains et je passe une journée extraordinaire que je recommande à tous les trialistes de France. Et s'ils ne sont pas venus cette année, vraiment ils ont manqué quelque chose. Il faut absolument qu'ils viennent l'année prochaine. C'est quelque chose de fabuleux, on a revu les plus grandes stars du trial français et même les étrangers comme Vesterinen, Manuel Soler, Jaime Sibira, et bien sûr Thierry Michaud, Pascal Couturier, Philippe Berlatier. Donc c'est une journée fabuleuse. Des zones faciles, une ambiance de folie. Il faut dire à tout le monde de venir, c'est extra. Ok, bah écoute, on te remercie. On espère te revoir quand même, peut-être une moto un jour. Peut-être un jour. Bon, pour l'instant, mes jambes ne me permettent pas trop, mais j'ai bon espoir de pouvoir en faire un jour. Merci Adrien. Merci à toi. Bonjour Pierre Burga. Salut. Alors, comment se passe la journée? Ah ben, ça fait drôle, on voit tous ces... Oh, c'est des vieux pilotes. Moi, je me sens tout jeune à côté. Ouais. Content de revoir les copains de Gilles? Bien sûr, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour beaucoup. Et on va se revoir, à la suite de ça, on va se revoir. Je pense, les carnets d'adresse vont te remplir. On a repris des contacts. Comment ça se passe, Gilles? Vous l'avez vu rouler ce matin? On ne l'a pas vu encore, non. On l'attend ici, avec tous ses copains, ils sont ensemble. Ouais. Il s'est pas entraîné dimanche dernier. Je dis quand même, tu vas nous faire honte si tu t'entraînes pas un peu. J'espère qu'il se traîne pas. Donc vous avez su le motiver comme vous le motiviez il y a 30 ans en arrière? Bah j'espère. Bon, super. Et vous, côté émotion, ça doit être C'est sûr. Le compteur à fond là. C'est sûr. Oui. Bon, vous êtes venu avec votre épouse? Oui, toute la famille. Toute la famille? On est 20. Vous êtes venu avec? Oui. C'est extraordinaire. Donc le Ventoux Trail Classique, je remercie de votre présence, c'est vraiment un cadeau. Hein. Gilles nous fait un beau cadeau, vous nous faites un beau cadeau. Et c'est un beau cadeau qu'on nous fait aussi, hein. C'est magnifique, c'est merveilleux. Ouais. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vous revoir dans la journée, dans les zones, hein, pour que vous nous donniez encore vos impressions. Ah ben on bouge pas d'ici. Hein. Bon, vous avez un peu amené les mouchoirs pour essuyer les larmes? Oui, c'est sûr. Ouais. On a déjà pas mal versé. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Dan Burga. Donc aujourd'hui tu es venu voir ton père. Oui, c'est ça. Tu l'as déjà vu rouler? Ouais. Alors, ça se passe comment?
Bah, il roule bien. Il roule bien? Ouais. Il a une belle équipe? Ouais, ouais. Charcota, Bernie Schreiber, hein? Il y a à eux trois, il y a deux titres de champion du monde, beaucoup de titres de champion de France. Ton père, il appréhendait un peu la course ou pas? Bah... Non, bah il s'entraînait un peu à la maison quelques jours avant. D'accord. Mais non, je pense qu'il avait hâte de venir, de retrouver tout le monde et de s'amuser. Ok. Donc il s'entraîne, il nous le dit pas ça? Bah il s'est entraîné un peu. Ah, c'est un petit peu beaucoup? Non, un petit peu, il s'est entraîné quelques jours ce week-end, puis un jour cette semaine. D'accord. Donc ça te fait plaisir de le voir rouler? Ouais, ouais. On te remercie, on te dit à bientôt dans les zones, on va te revoir dans la journée. Merci. Ciao, merci. Bonjour famille Burga, Madame Burga, les deux enfants de Gilles. Alors content d'être venu au Ventoux Trail Classique. Est-ce que vous avez vu rouler le grand champion qui est Gilles Burga? Pas encore, on l'attend. D'accord, donc à cet instant vous l'attendez, toujours pas vu dans une zone? Oui, voilà, on l'a pas encore vu. Alors comment il était hier soir? Très bien, il a bien dormi. Il était très content de venir. D'accord, content de retrouver ses copains aussi? Ah oui. Bon, c'est la fête à Gilles Burga ce week-end? C'est ça, ouais. Donc il y a aussi un ami à lui qui est là, Loulou Bernard Dely. Ah oui, on le connaît, oui. Alors Loulou a versé beaucoup de larmes en le croisant ce week-end, ce matin dans le paddock. Ah oui, ça m'étonne pas. Et je pense que Gilles a eu beaucoup d'émotions. Ah oui, c'est sûr. Oui. Donc je vous donne rendez-vous dans une autre zone et là après son passage vous me direz un petit peu comment vous l'avez vu, s'il a bien piloté, s'il avait le moral, s'il était le battant qu'on a connu. Vous nous donnerez vos impressions, vous voulez bien? Ah oui, on lui amène des provisions, on a des provisions dans le sac. Hein, donc, d'accord, super, et je vous remercie beaucoup. Salut Gilles Burga. Salut, ça va? Alors, tu es au Ventoux Trail Classique, tu as une belle équipe avec toi aujourd'hui? T'as super, ouais. Charles Courta, Bernie, ouais. Ça se passe comment? Ça se passe bien, on a fait trois zones pour le moment, donc c'est dur de se mettre dans le bain. Hein. Déjà, de revoir tout le monde, c'est super sympa. On rigole bien, et puis par contre, bon, bah, c'est dur de se mettre dans le bain et de tirer sur le guidon. Les zones sont longues, sinueuses, mais c'est très sympa. D'accord. On rigole, bon, hein. Je suis content, je viens d'apprendre qu'il n'y a que 3 fois 5 zones, je crois qu'il y avait 3 fois 16 zones, donc, ou 3 fois 18 zones. Donc, j'ai un peu de soucis pour la fin de la journée. Et le carton, c'est plutôt pointé à droite, au milieu, à gauche? Tu peux nous le faire voir? Plutôt à... Toi, ça va. 1, 2 et 1. Ça va. Bon, ça va, c'est pas mal pour les 3 premières. C'est mieux, mais bon, ça va. C'est l'échauffement, quoi. J'aurais pas dû mettre par terre, mais bon. Ah. C'est un peu un manque de... pas assez échauffé, je crois. Je pense que vraiment tout le monde est content, tout le monde est content que tu sois là, tout le monde est content d'être venu, tout le monde est content de se retrouver. Ce matin je t'ai vu traîner dans le paddock, alors ça fait comment? Bah, c'est sympa, hein, de revoir tout le monde. C'est vrai que des gens que j'ai pas vu depuis longtemps, puis d'autres que je vois un peu plus souvent, mais c'est sympa de rouler tous ensemble. Puis de... bah, c'est marrant parce que tout le monde a un peu le même style qu'à l'époque, quand on se voit dans les zones, c'est sympa. Quoi. D'accord. On revient à ce que c'était. Donc on te remercie, on te dit peut-être à tout à l'heure dans une autre zone. Ouais. Tu nous diras un petit peu où ça en est. Okay. Merci. Oh, je sais pas si on reste regarder Burga. Il a pas d'essence dans sa moto. Je vais le pousser avec le pied. Quand ça descend. Hein? Tu préfères quand ça descend, oui. Ça c'est sûr. Yannick et Madame Burga
sœur et mère de Gilles Burga, contente d'être parmi nous au Ventoux Trail Classic 2011 cette année. Alors, vous êtes allé dans les zones, qu'est-ce que vous avez vu? Beaucoup d'anciens champions, beaucoup d'anciens motards, ce qui nous a fait très plaisir de revoir tout le monde dans le dos et surtout de voir Gilles, fils, qui a l'air d'être toujours en forme. Enfin, on va voir ce soir les résultats, mais vraiment, ça a l'air d'aller bien. Moi, j'ai été ravie de réassister à cette compétition. Ça faisait bientôt 30 ans que j'étais parvenue sur un trial et j'ai retrouvé des trialistes aussi enthousiastes qu'il y a 30 ans. Et tous vraiment contents d'être là. Et ça fait plaisir de voir le trial que je croyais un petit peu en train de mourir être vraiment très vivant. Voilà, donc super journée. Bon, donc vous avez évolué dans les zones des multiples champions du monde, des multiples champions de France, champions d'Europe et autres. Donc ce soir, ils vont tous être là aussi pour faire une fête particulière, puisque cette année, en fait, les 30 ans du titre mondial de Gilles. Vous l'avez vécu, ce titre mondial, à leur côté, à ses côtés. Vous faites partie de sa famille la plus proche qui existe. Donc dites-nous un petit peu comment ça s'est passé en 81, quand il a été champion du monde. Alors en 81, ça s'est passé un peu par surprise pour nous parce que c'est vrai qu'on le suivait déjà depuis quelques temps et puis quand il a gagné son premier Grand Prix aux Rousses, on était ce jour-là totalement euphorique parce que petit à petit dans la journée on s'est rendu compte que la victoire risquait d'être au bout et ça a été pour moi un souvenir très très fort cette première journée et puis après on l'a toujours accompagné. Vous voyez qu'aujourd'hui le Team Burga est toujours là puisqu'on a les enfants, les quatre enfants de Gilles, mes deux filles, les parents sont là, toujours à suivre, ma belle-sœur, tout le monde est là et on est toujours derrière lui. Voilà. Donc ce soir il y a la soirée, on espère que vous allez nous dévoiler quelques petits secrets, des petites choses que nous on ne connaissait pas, parce qu'il y aura un micro, donc tout le monde va parler un petit peu. On espère que vous allez nous parler un petit peu, on est d'accord? On va se préparer alors. Ok, je vous donne rendez-vous à ce soir alors. Ok, à ce soir. Merci. Bye. Quelle méchance typique de l'Espagne? Voilà, donc on a mis le nom des pilotes qui ont participé et chacun viendra signer pour me tenir un souvenir pour ses. Plus que le champion que tu as été, c'est la personne humaine de grande qualité que j'ai toujours apprécié. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de pilotes ici qui s'associeront à ce que je pense. Et bien sûr, la soirée tourne autour de toi et pas des autres pilotes que tu as pu citer, même si je me suis senti concerné. Mais c'est ta soirée et c'est vrai qu'on ne peut pas oublier qu'on est un petit peu des enfants d'un Charles Coutard. Pour nous et pour toute une génération, tu as été un petit peu le grand frère, c'est-à-dire qu'il y a des pilotes comme Philippe Bernatier, Pascal Couturier ici, qui avons porté haut les couleurs de la France, on est un petit peu tes petits frères, c'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'on pouvait briller au plus haut niveau lorsque tu as été champion du monde, étant le premier champion du monde français. Mais au-delà des titres, il y a toujours une émulation, c'est vrai, une rivalité certaine. Mais il y avait aussi des relations entre pilotes qu'il n'y a pas toujours eu. Et pour avoir vécu ces années-là et pour vivre d'autres années en tant qu'entraîneur national, c'est une époque qui a été très faste et très, très bénéfique pour le trial français parce qu'on s'entendait très bien et ça c'était en partie grâce à toi et à ta personne. On s'entraînait souvent ensemble, tu nous as toujours bien reçus, ça s'est toujours très bien passé, il y avait une très bonne ambiance, je pense qu'il n'y a personne qui nous contredira.
Et ça, c'est très important pour avoir élevé le niveau du trial français. J'ai une petite pensée pour tes parents qui sont ici présents parce qu'ils nous ont très bien accueillis aussi. C'est un petit peu un tout, c'est du respect. C'est derrière ton titre, il y a une vraie personne, c'est ce que je voulais soulever. Donc, au nom du trial français, je pense qu'il y a personne qui s'opposera à ce que je dis. Au nom du trial français, merci. Bonjour Gilles, ça y est, tu es prêt à faire le deuxième tour? Ouais, t'as un peu de courbature? Bon, t'as bien dormi quand même? Ouais. Tu as un assistant avec toi, je vois aujourd'hui, Michel Trenet qui te fait le plein d'essence. Tu vas passer une bonne journée, on se voit dans les zones. Bon, j'espère qu'ils t'ont... J'espère qu'ils t'ont entendu, qu'ils vont te laisser... Hein. Il y en a pas mal qui sont partis quand même, j'ai eu peur de se mesurer le deuxième jour. Thierry, il a eu peur. Merci Gilles. Journée, moi sur le plan sportif mieux qu'hier, parce que hier c'était un peu dur, mais aujourd'hui il y a ma fille. Donc tu es fier de ton papa? Ouais. Il a fait un bon carton aujourd'hui, j'ai pas vu beaucoup de trous sur la droite, et c'était tout à gauche il me semble, non? Tu sais le nombre de points qu'il a fait ou pas? Non. Ah ben il va te le dire. Un pied à la 1 et puis à la 2. Donc tu finis le tour à deux pieds. C'est super. Je suis content parce que bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait zéro, c'est beaucoup mieux, mais bon, moi j'étais très content. Déjà, bon, il y a une bonne émulation avec les autres pilotes, on a roulé ensemble avec Bernie, Charles, et Pascal, Michel, donc c'était sympa toute la journée d'être ensemble. C'était un mini championnat du monde aujourd'hui. Bon, peut-être ce soir tu es le champion du monde alors. Pour la deuxième fois. Je crois qu'il y en a qui sont bien meilleurs aujourd'hui, mais bon, le potentiel c'est de se faire plaisir et de retrouver des sensations. Et aujourd'hui, je vais vraiment retrouver des sensations. Hier, ok, bah écoute, on va voir la remise des prix. Je pense que tout le monde va être content d'être là, que tu sois là aussi. Tu es venu avec tous tes copains. Donc je te dis à tout à l'heure peut-être, d'accord? C'était un bon super week-end. Moi, je remercie les gens du club, Thierry Aubert en particulier. Vraiment fantastique. Ils ont tracé des zones, Niel, enfin, tout était parfait pour moi. La fête hier soir, les films, l'équipe de Claudio,